Dieu, nous remercions Dieu pour la célébration de JCK de la deuxième année. Et nous remercions Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Premier jour, vendredi, samedi et aujourd'hui dimanche. Et je prie que les bénédictions de cette célébration aillent partout, la touche et touche chacun de nous. Et je prie. Mais même si nous avons la célébration, loin de Dieu, pour ce que Dieu a déjà fait, ce que Dieu fait et ce qu'il fera encore, je crois qu'aujourd'hui peut être une porte ouverte, une percée pour toi dans tout ce que nous faisons. Et les bénédictions souhaitées, les percées souhaitées et le progrès souhaité dans ta vie, le Seigneur va le manifester dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Dieu nous accordera nos miracles, les percées. Et nous accordera des prodiges au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a fait pour les autres, il a fait beaucoup pour plusieurs personnes pendant ces 24 mois. Et je crois que Dieu va tout rassembler et envoyer dans ta vie au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions en ce moment, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour la réjouissance de ton peuple. Premier jour, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à ce jour. Seigneur, nous te remercions pour les bénédictions que tu as déversées. Et nous prions que de plus grandes bénédictions soient déversées sur toi, chacun, même en ce moment, au nom de Jésus. Comme nous remémorons ce que tu as déjà fait, voyons ce que tu fais au présent, et maintenant ce que tu feras dans l'avenir, nous prions que chaque coupe déborde et la touche du Seigneur soit sur chaque vie, et accomplis tout concernant chacun au nom puissant de Jésus. Nous prions. Donnez-moi un bon amen de célébration. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui, nous considérons le sujet, la puissance de la louange à Dieu pour ses grandes œuvres. Nous avons eu de grands besoins. Il a de grandes œuvres. Et ces grandes œuvres, comme Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement, il fait toutes ces choses encore aujourd'hui et le fera dans ta vie. Ceux qui sont à la radio, à la télévision, et vous qui êtes en ligne, et ceux qui sont au lieu principal ici à Gbagada, Lagos, je crois qu'aujourd'hui, il y aura une nouvelle page, un nouveau chapitre pour votre vie au nom de Jésus. Comme je l'ai dit, nous considérons le message, la puissance de la louange à Dieu pour ses grandes œuvres. Voyons, deuxième chronique. Il s'agit de Josaphat et de Juda. Il y avait un grand problème. Et parce qu'ils ne savaient quoi faire. C'est pourquoi ils ont invoqué le Seigneur. Ouvrez vos bibles avec moi. En 2 Chronique, chapitre 20. Lisons à partir du verset 1. On dit: après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Pour lui faire la guerre. Vous savez, parfois, les combats, les difficultés viennent. Et il y a un Satan dans le monde, et il y a des péchés dans le monde, il y a des situations particulières dans le monde. Voici les raisons pour lesquelles ces choses surviennent. Nous n'allons pas commencer à nous condamner pour dire: ah, peut-être que j'ai fait ci ou bien j'ai fait ça. Peut-être tu n'as rien fait. Peut-être le diable est juste en colère contre les justes. Et ceux qui connaissent le Seigneur, comme toi tu connais le Seigneur, et peut-être même ceux qui courent après Dieu et qui veulent le salut du Seigneur, ils veulent la bonté de Dieu, comme toi tu veux le salut, la bonté de Dieu. Oh, peut-être c'est pour la raison pour laquelle ne te condamne pas et ne sois pas: je suis mauvais, je suis méchant, c'est pourquoi cela m'arrive. Non, peut-être pas. Alors on dit, alors on vient en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est En-Gedi. Vous voyez, parfois, l'ignorance est mauvaise. S'il y a des ennemis contre toi et tu n'en sais même pas, s'ils complotent, se liguent contre toi et tu n'es même pas informé, parfois, tu as des parents, mais lorsque derrière vient te dire: ah,
oh, j'ai une information pour toi, j'ai quelque chose à te dire. Ah, il y a des gens de tel côté et des gens de tel autre côté, vois ce qu'ils planifient. Maintenant, on ne te dit pas de leur force, de leur puissance, de leur inimitié, de tout ce qu'ils ont. Et vraiment, c'est si grand et tu trembles. Mais il dit, Josaphat, en sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Il ne voulait pas supporter pas ça. Vous et moi, les problèmes que nous avons, nous ne les endurons pas seuls. Peut-être que nous avons des membres de la famille et nous devons leur en parler. Peut-être que nous avons les membres de l'église, peut-être nous devons leur en parler. Nos leaders de l'église ou qui qu'ils soient, qui se soucient de notre situation, de nos problèmes, dans les mêmes situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Alors nous leur en parlons. On dit, Josaphat s'assembla pour demander du secours de l'Éternel. Ça, c'est la chose importante. Et Dieu est toujours là, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est là pour toi, il est là pour moi. Et il est là aujourd'hui pour toi, pour régler tes problèmes. Et ainsi donc, nous nous rassemblons, comme nous nous rassemblons dans nos maisons, dans nos communautés, dans les églises, dans les lieux où nous sommes, pour cette célébration de JCK, de la célébration du deuxième anniversaire, nous disons, oh Dieu dit, si nous demandons quelque chose de lui, il le fera pour nous. Et Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alors, ils s'assemblèrent pour chercher l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit au Seigneur? Verset 12 là-bas. Ce qu'ils disaient au Seigneur, dans le verset 12, ils disaient, « ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? » Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. C'était une grande multitude de personnes, une grande inimitié. Et c'était une grande force plus que eux. Mais même s'ils ne pouvaient pas gérer ça tout seuls, on dit, nous sommes sans force comme cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Comme je vous l'ai dit, nous parlons de la puissance, de la louange à Dieu pour ses grandes œuvres. Il y a trois choses à considérer pour vous montrer comment ils ont eu leur solution. Premièrement, les problèmes. Deuxièmement, il y a les promesses. Et troisièmement, les gloires à Dieu. Il y a les louanges qui apportent les solutions merveilleuses. Premier point donc, les problèmes qui dépassent les solutions humaines. Vous savez, est-ce que tu as confronté à quelque chose qui apporte la frayeur dans ton cœur? Tu paniques à ce sujet. Tu dis, ah, comment je vais faire ceci? Je n'ai jamais vu ce type de problème. Premièrement, les problèmes qui dépassent les solutions humaines. Deuxième point, les promesses tenues pour les multiples solutions. Nous louons Dieu pour une chose, c'est quoi? C'est que, quel que soit le problème qu'il y a, il y a toujours une promesse dans la parole de Dieu qui correspond à cela. Quel que soit la montagne à laquelle tu es confronté, il y a un miracle qui correspond à ce type de montagne. Et quel que soit l'inimitié qui survient de n'importe quel homme ou n'importe quelle femme ou de toute communauté contre ta vie, avec cette inimitié, il y a eu un exploit par la puissance du Seigneur qui va tout balayer. Donc, premièrement, nous avons les problèmes. Deuxièmement, nous avons les promesses. Et troisièmement, les louanges. Tu vas louer le Seigneur. Donnez-moi un grand amen. Toi-même, dans ta situation, même en ce jour, est-ce que c'est toi-même, ou bien ton enfant, ou bien ton mari, ou bien ta femme, ou qui que ce soit, est proche de toi? Ton bien-aimé, est-ce que c'est concernant peut-être ta situation financière ou bien c'est par rapport à ta santé ou quelle que soit la chose, tu vas louer le Seigneur. Je vais louer le Seigneur. Ça dit à la fin de cette journée, à la fin de la session de ce soir et la semaine à venir, les mois à venir. Et dans nos vies, nous allons encore louer le Seigneur. Rappelez-vous premièrement les problèmes qui dépassent les solutions humaines. Deuxièmement, les promesses tenues pour les multiples solutions. Et troisièmement, les louanges qui apportent
les solutions merveilleuses, c'est-à-dire les louanges qui agissent comme un véhicule. Le véhicule apporte les bénédictions dans nos vies et les solutions merveilleuses dans nos vies parce que nous louons le Seigneur. Alors, même avant de voir la prière exaucée, avant même de voir une manifestation quelconque, physique ou même visible, comme nous louons le Seigneur, comme nous glorifions le Seigneur, ta solution viendra. Ma solution viendra. Gloire à Dieu. Premier point maintenant, les problèmes qui dépassent les solutions humaines. Quand nous disons solution humaine, peut-être ta solution personnelle. Tu penses, tu planifies et tu ajustes les choses. Tu essaies donc de toucher ceci, ajuster ceci ou cela, mais rien ne marche. Tout cependant, nous aurons ce que Dieu peut faire. Mais laissez-moi commencer avec les problèmes que nous avons, les problèmes auxquels nous sommes confrontés sans la solution humaine. Voyons 2e Chronique encore, verset 12 de ce 2 Chroniques chapitre 20. Il dit, oh notre Dieu, n'exerceras-tu, Dieu merci, nous avons Dieu à qui invoquer. Dieu merci, il porte les regards sur nous et nous portons les regards. Et c'est l'Éternel mon berger, c'est l'Éternel mon sauveur, c'est l'Éternel ma solution. Pour moi, je n'ai rien d'autre à faire. Pour moi, je n'ai aucune solution. Mais nous pouvons dire, oh notre Dieu, pourquoi ne pas personnaliser ça? Oh mon Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements? Ne vas-tu pas régler cette situation? Et dit dans le verset la suite, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Il dit, nous ne savons pas quoi faire avec, mais nos yeux sont sur toi. Et comme nous regardons Ésaïe chapitre 37, verset 3, il l'exprime de telle manière en Ésaïe au chapitre 37, voyons le verset 3. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse. Vous entendez ça? Un jour d'angoisse. Ézéchias, pourquoi? Et pour Josaphat, un jour d'angoisse pour les enfants d'Israël. Alors, ils sont venus, c'est un jour d'angoisse, quand Goliath est venu. Il a choisi un homme et qu'il vienne contre moi. Et il parlait, il se vantait, il pensait que tout était terminé. Ah, si vous examinez dans votre vie, il peut y avoir un jour d'épreuve, un jour de problème. Si vous examinez, peut-être dans la vie de quelqu'un, il n'y a personne qui vient dans ce monde sans un jour d'angoisse. Dans cette vie, dans 70 ans, 80, 100 ans que nous passons sur la terre, ah, un jour de révél, un jour de blasphème pour la suite dit, de châtiment et de procal, les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement, les douleurs d'enfantement. Mais l'enfant ne sort pas. Et les signes que nous devrions avoir, oh que je vais coucher bientôt et ça me donnera la joie, ça me donnera le résultat que j'attendais, je n'ai pas encore vu ça. On dit, il n'y a pas de force pour l'enfantement. C'était comme ça. Et il va vous raconter l'histoire. Il en était ainsi pour l'apôtre Pierre. Il était placé dans la prison. Et le lendemain, Hérode le roi attendait pour le sortir de là et se débarrasser de lui, de la terre. Et c'était, oh qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de conseiller, il n'y a pas de secours. Et il n'y a personne qui pouvait dire à Hérode, ne fais pas ce que tu veux faire. Ça ne marchera pas. Personne de ce genre. Et c'était, oh, qu'est-ce que je vais faire? La même chose avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans le chapitre 27 des Actes des Apôtres, c'était comme tout ce qu'il avait dans le navire. Ils ont tout jeté dans la mer. Pas d'espoir de survie. Mais nous savons que Dieu lui-même, qui est notre secours, Dieu lui-même, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui va toujours faire ce qu'il a promis faire. Il était là pour eux, et ce Dieu est là pour toi.
Dis Amen. Et ce Dieu, si tu as l'assurance, la confiance, ce Dieu est là, même en cette heure, pour toi. Laissez-moi vous parler des problèmes que nous avons, pour lesquels nous n'avons aucune solution humaine. Premièrement, il peut avoir les combats dans la vie qui dépassent notre capacité et notre force. Les problèmes dans la vie, les combats de la vie et les combats qui se lient contre nous et pour lesquels nous n'avons aucune capacité de régler. Et il n'y a aucune force. Peut-être tu as découvert quelque chose de ce genre dans ta vie. Le Seigneur va se débarrasser de ces choses, même ce jour, ce soir, au nom de Jésus. Deuxièmement, nous avons la servitude sous Lucifer. Vous savez, Lucifer, ça c'est l'ancien serpent, ça c'est le diable, ça c'est l'ennemi, le plus grand ennemi, l'ennemi juré de Dieu et de l'homme. Et parfois vous êtes sous la servitude de Lucifer, sans la compassion ou la sympathie. Satan, le diable, Lucifer, l'ancien serpent, n'a pas un cerveau ou, mais je peux me dire, une goutte de compassion et de sympathie. Ce sont des choses auxquelles nous ne pouvons pas régler, mais Dieu peut régler tout problème que nous avons. Troisièmement, nous avons la faillite et la limitation avec un esprit vaincu. Un esprit vaincu. Parfois dans la vie, nous, tout tombe en faillite dans la vie personnelle, les affaires. Tout ce que nous touchons, ceci s'écroule, ceci tombe, ceci faillit, tout s'effondre. Et nous avons tellement de limitations. Et nous avons un esprit vaincu. C'est comme notre esprit ne peut plus avancer. C'est comme si notre esprit ne peut plus régler quoi que ce soit. C'est comme si nous voulons abandonner. Non, tu ne vas pas abandonner. N'abandonne pas. Ne cède pas au découragement. Parce que les choses vont changer. Même ce soir dans ta vie, au nom de Jésus. Quatrièmement, nous avons la pénurie dans la vie. Oh, nous sommes brisés. Il n'y a plus rien. Nous sommes pratiquement émiettés. Avec un chagrin continu. Dans la nuit, on n'arrive pas à dormir. Dans la journée, on n'arrive même pas où aller, où tourner. Parce, à cause de ce chagrin continuel. Je parle des problèmes que nous-mêmes, pour les problèmes continuels, que nous n'arrivons pas à régler. Et que la force humaine ne peut pas changer. Voyons cinquièmement, c'est le fardeau des charges de maladies critiques. Vous savez, la maladie, parfois, les gens disent, oh, tout le monde peut être malade. Oui, tout le monde peut tomber, avoir un problème de santé, mais il y a des maladies qui sont critiques. Critiques. Tu examines. Tu cherches les soins naturels, rien ne marche. Les soins médicaux, rien ne marche. Et parfois, ça arrive à quelqu'un. C'est comme ça, ils sont partis et rien n'a marché. Critique. Et tu dis, est-ce que c'est là la fin? Non, ce n'est pas encore ta fin. Le Seigneur va te satisfaire de longs jours. Je te parle là-bas. J'ai dit longs jours, une vie heureuse viendra pour toi. Et ça va commencer ce soir au nom de Jésus. Sixièmement, la sérité et l'absence de prise en charge pour les malades. La stérilité. Bon, dans la famille, marié depuis combien d'années maintenant? Oh, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait des opérations, j'ai cherché les traitements, sans traitement. Oh, isolement, c'est comme si dans le monde, tu es perdu. Je ne trouve plus mon chemin. Et tout semble ténébreux, sombre. Qu'est-ce que je vais faire? L'austérité avec l'isolement, la perte, sans prise en charge pour les malades. Septièmement, c'est l'audace de l'anarchie, Vous voyez, l'ennemi de Josaphat et l'ennemi de Judas, ils étaient audacieux. Et ils ont même blasphémé. Et ils étaient anarchiques dans tout ce qu'ils faisaient. Ils étaient très sûrs qu'ils allaient faire tomber Judas. Ils étaient très certains qu'ils allaient faire tomber Josaphat. Ils étaient certains que l'histoire et la destinée de Josaphat seraient donc réduites à néant. Mais
tes ennemis seront menteurs pour toi. Quelle que soit leur audace, quelle que soit leur méchanceté, leur cruauté, leur anarchie, ne pourront pas te vaincre au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, deuxième point, considérons les promesses tenues pour les multiples solutions. Oh, ce qu'il faut faire, c'est de croire. Les promesses peuvent sembler vraiment très, très éloignées de l'expérience humaine. Mais Dieu est capable, Dieu est disposé, Dieu est puissant et Dieu est miséricordieux. Et il n'y a aucun problème que nous puissions avoir que Dieu ne puisse régler. Maintenant, voyons 2 Chroniques une fois encore au chapitre 20, verset 20. En 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Voyez le secret. Le secret de la solution. Le secret pour vaincre dans la vie. On dit le lendemain, verset 20. Ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Il dit, « Tout ce qu'il nous faut faire, c'est de croire. » Et comme nous croyons, alors la puissance miraculeuse de Dieu agira dans nos vies. Rappelez-vous par exemple, l'ami de Dieu, nous sommes amis de Jésus. Jésus nous appelle amis. Il dit, tu es mon ami. Et tout ce que tu demandes sur la base du fait que tu es sauvé, sur la base du fait que tu es un enfant de Dieu, sur la base du fait que ton nom est écrit au ciel. Et si leurs noms ne sont pas au ciel encore, aujourd'hui, même ton nom sera écrit au ciel. Et les anges vont se réjouir à cause de toi. Et dit, parce que nous sommes enfants de Dieu, nos noms sont écrits au ciel. Nous sommes amis de Christ. Et parce que nous sommes amis de Christ, tout ce que nous demandons au Seigneur ce soir, il va nous l'accorder. Voyons l'expérience d'Abraham en Romains 4. Romains 4, 17. Selon qu'il est écrit, je veux que vous notez ces mots. Selon qu'il est écrit, ce qui me parvient, ce qui m'arrive, ce qui t'arrive sera selon qu'il est écrit. Parce que Satan a planifié, pas selon que tes pensées humaines, mais selon qu'il est écrit. Si chaque jour je mène ma vie, selon qu'il est écrit. Et toutes mes pensées chaque jour, selon qu'il est écrit. Et si je planifie ma vie, et je prie Dieu, et si je m'attache aux promesses de Dieu, selon qu'il est écrit. Ça, c'est le secret de la victoire dans notre vie. Selon qu'il est écrit, était établi père d'un grand nombre de nations. Selon celui qui l'a cru. Il a cru Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu qui donne la vie aux morts. Vous voyez, Abraham n'était pas mort, mais il y avait une partie de sa vie qui était morte. Sarah n'était pas morte. Mais il y avait une part de sa vie qui était morte. Et à cause de ce qui était mort en Abraham, mort en Sarah, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais Dieu rend la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et dans le verset 18 et 2, qui espéra contre toute espérance, crut. Vous voyez, quand les choses sont désespérées, quand il semble que quelqu'un ne peut, il est si malade et on ne pense pas qu'il puisse. Il est complètement, vraiment épuisé. Il ne pourra pas s'en sortir. Il dit, il espéra contre espérance crue, en sorte qu'il devienne père d'une grande nation, selon ce qui lui avait été dit.
ainsi sera ta postérité. Dans le verset 19, on dit, et sans faiblir dans la foi. Ça veut dire qu'il a cru au Seigneur, il a continué à croire en Dieu, et sa foi était ferme. Sa foi était grande dans le Seigneur. Sa foi était inébranlable. Quand notre foi est inébranlable, et nous sommes fermes, et nous croyons au Seigneur au-delà de ce que nous sentons dans notre corps, au-delà de ce que nous sentons dans nos corps, au-delà de ce que nous regardons. Ah, madame, est-ce que tu es malade? Homme, est-ce que tu es malade? Il dit, oh, on voit ça sur ton corps, sur ton visage, hein? C'est comme si tu es très très malade. Depuis combien de temps tu es malade? Ne pense pas à ça. Je sens faibli dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Son corps déjà usé, comprenez. Il n'était pas encore mort, il n'était pas encore dans la tombe, il était encore vivant. Il avait encore d'espoir dans le Seigneur, mais il semblait que son corps, les parties vitales de son corps, mortes, quand il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet des promesses de Dieu. Quand un homme saoulé et il perd ses sens, il perd son équilibre, il perd tout. Et il est ici là-bas et il ne sait même pas où il tient, ce qu'il fait, quel est l'avenir, et il ne sait même rien. Il doute. Il y a des gens qui doutent comme ça. Les problèmes, les pressions de la vie et les douleurs de la vie. Ce qui leur arrive fait qu'ils titubent dans la vie. Nous sommes les filles d'Abraham par la foi. Il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu par incrédulité. Mais il fut fortifié par la foi. Et si ça a pu arriver à Abraham, ça va t'arriver. Ce n'était pas comme ça avant. Quand il a dit, oh, qu'Ismaël vive. La foi n'était pas aussi forte comme ça. Et il a fait marche arrière. Et il a une foi forte. Peut-être pas le passé. Notre foi n'était pas aussi forte. Quelque chose arrive à ta foi ce soir. Et tu vas encore glorifier le Seigneur. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Voyez le verset 21 dit, et ayant la pleine conviction, ça c'est ça. Est-ce que j'ai la pleine conviction que Dieu qui a créé l'univers entier peut me recréer, recréer mon corps? Oui, je crois. Est-ce que j'ai la pleine conviction que Dieu qui a fait toutes ces choses et qui a mis les étoiles en place, qui a divisé la mer rouge et a fait tomber les murailles de Jéricho sans une flèche. Est-ce que j'ai la pleine conviction que le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a ramené Jésus-Christ par Marie la Vierge, est-ce que j'ai la pleine conviction que toi aussi tu peux faire tout cela et nous pouvons tout faire, il peut faire dans ma vie? Oui, j'ai la conviction. Oui, tu as la conviction. Et il y a la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. L'accomplissement dans ta vie ce soir. L'accomplissement dans la vie de chacun ce soir. À la radio, ça vient pour toi. À la télévision, ça vient pour toi. En ligne, ça vient pour toi. Et je vois ta vie étant transformée. Et je vois toutes ces choses négatives, des ténèbres. Tout va disparaître de ta vie. Parce que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Qu'est-ce qu'il a promis? Nous savons qu'aujourd'hui, et qui sera accompli dans ta vie. Premièrement, ce qu'il a promis. Et qu'il est capable d'accomplir. Premièrement, c'est le salut de transformation. Le salut de transformation. Quand Dieu se saisit de ta vie et te donne le salut qu'il va faire ce soir si tu ne l'as pas encore eu. Et ce salut transforme tous les domaines de ta vie. Et les gens diront, ah, regarde, non, ce n'est pas lui. Et tu dis, oui, c'est moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La promesse de Dieu a été accomplie dans ma vie et il m'a donné le salut de transformation. Deuxièmement, c'est il nous donne une sécurité digne de confiance.
tu menais ta vie dans la crainte à cause de la communauté dans laquelle tu vis, à cause de ceux et des choses qui t'environnent, à cause des choses que tu entends, oh, qui te font peur. Et tu ne sais pas comment est-ce que tu pourras vivre d'ici là-bas ou jusqu'à demain. Et il nous donne une sécurité digne de confiance, pas un point jour ou une semaine ou un mois ou bien un an. Et il donne même une longévité, comme il a fait à Ézéchias. Ta vie sera sécurisée de toute manière, sous toutes ses formes, au nom de Jésus. Quelle promesse avons-nous? Que nous savons qu'il a fait la promesse et qu'il peut l'accomplir. Il est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Troisièmement, ce sont les écritures fiables. Les écritures fiables, qu'est-ce que ça veut dire? Il nous donne les écritures et cette écriture est digne de confiance. Fiable dans le sens qu'il peut l'accomplir comme il fait la promesse aujourd'hui et il l'accomplit demain. Ou bien il fait la promesse aujourd'hui et il l'accomplit instantanément. Je viendrai, je le guérirai. Non, 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 tu ne dois pas venir. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis fiable, écriture fiable, digne de confiance. Et ça a été fait. Il a maudit l'arbre stérile. Et le lendemain, ils ont vu l'arbre. C'est ce que nous appelons les écritures fiables. Ensuite, il donne la parole. Il dit à Abraham, je vais te visiter. Et l'année qui a vu, Sarah a eu Isaac. Pour le moment, ou peut-être pour demain, ou bien pour l'année suivante, ou même pour une décennie, ou pour un siècle, la Vierge concevra, elle enfantera un fils, et tu l'appelleras Emmanuel. Et cela a pris des centaines d'années à cause de l'objectif et du plan de Dieu. Alors, ce que je voudrais que ce soit, ce qu'il va faire aujourd'hui, ou bien ce qu'il fera demain, ou bien ce qu'il fera l'année prochaine, ou quel que soit, quand c'est selon la promesse, nous avons les écritures fiables. Quelle promesse a-t-il donné? La santé, la percée financière, les écritures, tout ce qu'il a promis est digne de confiance. Quatrièmement, c'est la sanctification transparente. La sanctification transparente. Vous savez, quand nous parlons de la sanctification, c'est pour tout le monde. Il nous sauve, il nous amène dans sa famille et il nous donne la nature de Dieu lui-même. Voici l'être humain et le Seigneur lui transfère la nature de Dieu. Et c'est transparent. C'est ce que les anges peuvent voir. C'est ce que Christ lui-même peut voir. Et il dit oui, oui, ça ce n'est pas l'œuvre de mes mains. Et il nous donnera à tous au nom de Jésus. Cinquièmement, ce sont les maladies totalement ôtées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il dit que nous avons Satan qui sera sous nos pieds, ses œuvres également foulées sous nos pieds, et toutes les maladies également foulées aux pieds. Et peu importe le nom, la nature et la durée de cette maladie, nous avons donc la promesse que toutes ces maladies, Satan, les calamités, les souffrances, tout sera sous nos pieds. Et tu peux être totalement libre aujourd'hui. Tout est totalement sans aucune tâche et sans aucun grain de cette œuvre du diable restant dans ta vie. C'est pourquoi Christ est venu. Pour cela, Jésus est venu, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Sixièmement, les promesses, c'est une force surnaturelle, intemporelle et opportune. Une force surnaturelle, intemporelle et opportune. Vous remarquez ce qui est arrivé dans la vie de Samson. Il avait toute la puissance et toutes les armées des Philistins ne pouvaient pas tenir devant lui. S'il l'a fait pour lui, est-ce qu'il ne peut pas le faire pour moi et pour toi? Oui, pour lui, c'est une force physique, mais nous avons besoin de la force dans notre esprit, la force dans notre âme. Nous avons besoin de la force dans notre homme intérieur, pour que notre homme intérieur soit si fort, pour que rien ne puisse nous vaincre. Voyons, David qui vient, il n'était pas seulement fort dans le corps, il n'était pas seulement fort ayant une vue perçante
pour regarder Goliath, oh, Goliath est si grand qu'on ne peut pas le vaincre. David a dit autrement. Voici la cible, Goliath. Il est si gros que vous ne pouvez pas le rater. Il savait que le Seigneur va diriger cette pierre et atteindre au bon endroit pour battre le plus grand ennemi des enfants d'Israël. Nous avons ce type de force de la part du Seigneur, la force surnaturelle de la part du Seigneur, intemporelle et opportune. Pourquoi mettons-nous cette intemporelle pour maintenant, ainsi en ce moment présent, quel que soit ce à quoi, maintenant opportune. Parce que peu importe la durée opportune et intemporelle, peu importe la dispensation dans laquelle tu vis, c'est intemporel. Es-tu là aujourd'hui au nom de Jésus? Septièmement, ce sont les solutions scripturales transférables. Voyez, transférables. Solutions scripturaires. Il me donne la solution. Tu n'es pas différent de qui tu es. Tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Ou peut-être tu veux devenir enfant de Dieu aujourd'hui. Et tu dis, il l'a fait pour les autres. Et il le fera pour moi. C'est transférable. Peu importe la solution que les autres ont eue. Et peu importe la guérison que les autres ont eue. Quelle que soit la conviction que les autres ont eue. C'est transférable. Même ce soir au nom de Jésus. Donnez-moi un amen de célébration. Qui apportera toutes ces bénédictions dans ta vie. Amen. Troisième point maintenant. Voyons les louanges qui apportent les solutions merveilleuses. Les louanges qui apportent les solutions merveilleuses. Je vais vous dire quelque chose. Premièrement, chaque fois que nous avons un défi, un problème, tout ce à quoi nous sommes confrontés, ce que nous n'arrivons pas à régler, on se dit, ah ça c'est la fin. Est-ce que je vais partir comme ça? Qu'est-ce que nous faisons? Nous pleurons. Mais nous devons faire plus que pleurer. Nous nous plaignons. Parfois, ce n'est même pas approprié. Nous nous plaignons à la mauvaise personne. La personne est malade. Et elle se plaint à quelqu'un qui ne connaît aucun iota de la solution. Alors pourquoi nous faisons ça? Quelqu'un a un problème financier et il se plaint au plus pauvre de la communauté. Il se plaint à la personne qui est même en faillite. Qu'est-ce que tu fais? Chaque fois que nous avons un défi, la plupart d'entre nous ne pensons pas. La plupart d'entre nous ne savons pas que la louange de Dieu, la louange de la gloire de Dieu apporte la solution. Alors je veux vous dire, les louanges sont puissantes. Parce que ces louanges apportent des solutions merveilleuses dans nos vies. Revenons à notre texte. En 2e Chronique, au chapitre 20, verset 21. 2 Chroniques 20, 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chants qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. Pas de plainte, pas de murmure. On ne s'interroge pas pourquoi ceci m'arrive, pourquoi ceci, cela, pourquoi. Pas, plus de questions. Il dit, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'Éternel, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce que j'ai un problème? Qu'est-ce que je veux faire? Gloire à Dieu. Sa miséricorde dure à l'Éternel. Est-ce qu'il y a un défi? Louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce que je traverse les eaux profondes? Et je ne sais pas. Je ne connaissais pas la profondeur, mais je suis pratiquement en train d'être me noyer. Louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Même ce type de maladie-là qui est venu là, oh, tel que je ressens là, je ne connais même pas le nom. Et quand les docteurs mentionnent même le nom, c'est si gros, si grand, je ne sais même pas comment prononcer, ressentir les douleurs. Quelle est ma réponse? Louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Les enfants sont sur le point d'aller à l'école et je dois payer la scolarité et il n'y a rien.
Oh, même manger, c'est un défi. Oh, même payer le loyer, c'est un problème. Qu'est-ce que je vais faire? Louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Oh, je suis menacé. Et la personne qui menace dit ceci-là, cette affaire de foi-là, que ceci va arriver-là, ça c'est réel. Hein? Et nous sommes derrière ceci. Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce qu'il faut trembler? Est-ce qu'il faut aller me cacher? Est-ce qu'il faut vraiment me cacher dans une fosse quelque part? Quelle est ma réponse? Louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et ta solution viendra. Et le triomphe viendra dans ta vie. Et tu vas louer l'Éternel avant que la bénédiction ne vienne. Alors, après la bénédiction, tu vas continuer à louer le Seigneur. Alors, comme nous considérons ce troisième point, nous parlons de la louange confiante. Pas une louange superficielle. Pas parce que je loue Dieu, mais j'ai peur dans mon cœur. Ah, mais je loue Dieu. Non, c'est une louange confiante. Par les saints hommes honnêtes et saints. Pourquoi est-ce que je dois louer Dieu? Et pourquoi? Et quand est-ce qu'il faut louer Dieu? Pourquoi je loue Dieu? Et quand est-ce que je dois louer Dieu? Vous voyez des gens qui peuvent sourire, rire après la tempête. Et maintenant, si tu es venu au moment où tu peux le louer avant que l'ennemi ne s'arrête. L'ennemi est toujours là. Comme on a dit à Josaphat, ah, ceci-là, tu ne vas pas échapper à ça. Ceci-là, c'est réglé. Et on donnait de mauvais témoignages. On a vaincu ceci-là, on a vaincu cela, on a vaincu cela. Et toi, tu feras partie de d'eux. Et il fait lever des... Et ils ont commencé à louer Dieu, premièrement. Louez-le avant que les ennemis ne s'arrêtent. L'ennemi va s'arrêter, il va s'arrêter. Et toutes ces machineries et tout ce que... Tout va s'écrouler, sera détruit. Mais toi, tu dois vaincre. Et tu vas vaincre tout ennemi et tout problème de ta vie au nom de Jésus. Premièrement donc, loue-le avant que les ennemis ne s'arrêtent. Deuxièmement, loue-le avant que les murailles ne s'écroulent. Tout le monde peut crier, tout le monde peut chanter, tout le monde peut louer Dieu quand les murailles tombent. Mais le mur de séparation entre toi et ta destinée, la muraille de démarcation, de séparation entre toi et ton succès, la muraille de séparation entre toi et ton sourire, entre toi et la joie, entre toi et la victoire de ta vie. Tout le monde peut crier et louer Dieu après que les murailles soient tombées. Mais pour nos vies, et pour suivre ce que les enfants d'Israël ont fait, sous le leadership de Josaphat ont fait, ils ont loué le Seigneur. Et comme ils ont crié, les murailles sont tombées. Et s'ils avaient dit, ah, on ne peut pas louer Dieu maintenant, regarde ce que j'endure maintenant, hein. On ne peut pas louer Dieu maintenant, hein. Regardez les promesses, regardez les miracles de Jura qui sont encore entre nous et la promesse. Et s'ils ont dit, ah non, 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 quand Josué a dit crier, et ils ont crié, et ils ont loué Dieu, avant que leur muraille ne s'écroule. Et aujourd'hui, tu vas louer Dieu. Et pendant que tu loues le Seigneur, toutes tes murailles vont s'écrouler au nom de Jésus. Troisièmement, loue-le avant le sentiment des maladies parties. Loue-le avant de ressentir le sentiment que tu es guéri. Et vous comprenez, cet homme est venu au Seigneur. Il a dit, « Oh, mon fils est sur le point de mourir. » Et Jésus a dit, « Va, ton fils est vivant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. » Il a dit, « Mon fils est vivant. » Et il retourna à la maison. Ses serviteurs sont venus le rencontrer. Ils ont dit, « Ah, ton fils est vivant. » Exactement ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, « À quelle heure il s'est senti mieux et que la maladie, l'infirmité, la fièvre est partie. » Ils ont dit, à telle heure hier. Et Jésus, quand Jésus l'a dit, l'homme n'avait pas encore vu, mais il a cru. Et il a cru alors, il est rentré et il a continué dans la joie du Seigneur. La même chose, comme tu es fidèle ce soir. Et que c'est confirmé par la parole de Dieu. Et le nom de Jésus-Christ, qui ne peut faillir, tu le loues avant de rentrer, avant de ressentir que les maladies sont parties.
Quatrièmement, maintenant, loue-le en croyant à la parole déclarée. Loue-le en croyant à la parole déclarée. C'est ce que ce centenier a dit. Il a dit, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Un mot seulement. Un mot seulement. Et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit, je n'ai pas trouvé une si grande foi, même pas en Israël. Et il dit, comme tu as cru, qu'il te soit fait selon ta foi. Vous comprenez cela? Pas comme tes ennemis diminuent, non. Pas comme tes ennemis désirent, non. Pas comme les gens autour de toi, ils te souhaitent, ils vont te souhaiter du bien. Mais dans leur cœur, c'est autre chose. Sur la parole déclarée, dans ta vie à partir d'aujourd'hui, dis Amen. Dans ta vie à partir d'aujourd'hui, ta vie sera telle que tu crois la parole déclarée. Et comme tu retournes à la maison, le serviteur était totalement guéri. Et comme tu retournes à la maison, les membres de ta famille qui te servent comme serviteur, et tu seras totalement guéri au nom de Jésus. Cinquièmement, loue-le avant que les portes de la prison ne soient ouvertes. Paul et Silas, ils avaient fait une bonne œuvre pour le Seigneur. Et la bonne œuvre qu'ils avaient faite pour le Seigneur était mal interprétée par ceux qui étaient les maîtres, parce qu'ils avaient dit, au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Ils étaient en colère et ils les ont pris, ils les ont jetés en prison, ils les ont battus. Et à minuit, le minuit de la tristesse, quand tout le monde était endormi, à minuit, quand il semblait que tout était à la renverse pour toi et pour moi, à minuit, quand il semblait, oh, est-ce que nous allons encore endurer la, au lieu de se plaindre, oh, ne te plains plus, je te rappelle, au lieu de critiquer, au lieu de dire, oh Dieu, où es-tu, ceux qui posent, Dieu, où es-tu, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux faire ce type de question? Dieu est là depuis toute l'éternité. Il était à la création. Et il a été avec Israël. Il a fait toutes ces grandes choses. Où est Dieu? Dieu est toujours au trône. Dieu est toujours sur le trône. Notre problème, c'est que nous voyons pas Dieu là. Au milieu de leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié et chanté les louanges à Dieu. Ils étaient toujours en prison. Ils ont prié et chanté les louanges à Dieu. Et c'était à minuit. Tout était sombre. Il n'y avait même pas la lumière. Mais ils ont chanté, ils ont loué le Seigneur. Et les portes étaient toutes fermées, mais ils ont chanté et loué Dieu. Et pendant qu'ils louaient Dieu, c'est ça, c'est le secret. Pendant qu'ils louaient Dieu, les fondements de la prison étaient ébranlés. Les fondements des prisons de ta vie seront ébranlés au nom de Jésus. Toutes les portes furent ouvertes. Toutes les fenêtres et les liens, les chaînes, tout était brisé. Ils ont loué Dieu avant que les portes de les prisons ne soient ouvertes. Ça, c'est la leçon que nous apprenons. Avant le miracle, avant les signes et les prodiges, avant la guérison, avant la victoire, avant que le figuier ne se dessèche, nous louons Dieu. Sixièmement, louez-le avant que la lèpre semble être purifiée. Ce monsieur est venu au Seigneur, il a dit, « Oh Seigneur, aie pitié de nous. » Il voulait la purification, il voulait la guérison. Et Jésus s'est monté, il va te montrer au sacrificateur. Il dit, « Ah, c'est tout ça, c'est ta prière. Pas de prière, pas de touche. Tu n'as pas tremblé, tu n'as rien versé sur nous. Hein. Pas d'onction. » Il a dit, « Va, allez vous montrer au sacrificateur. » Et ils sont allés joyeusement. Ils n'étaient pas déçus, ils ne se plaignaient pas. Si nous pouvons transformer notre foi et comprendre que lorsque Dieu dit, Dieu le dit, c'est fait. Et certains, ils sont partis, ils sont vivants, ils sont heureux, ils sont contents, joyeux. Parce que nous savons que le problème est réglé. Et dépendant qu'ils s'en allaient, tous les 10 furent guéris, sans exception. Ils furent totalement purifiés. Et un homme, un Samaritain, lui, il était tellement excité, il a couru
tous les autres allaient. Vous savez, parfois, nous devons avoir un esprit, une décision personnelle. Et les neuf ont continué. Il est revenu vers le Seigneur. Et il a loué Dieu. Et Jésus a dit, est-ce que ce n'était pas dix purifiés? Et les neuf autres. Mais ce Samaritain, va, ta foi t'a guéri. Rappelez-vous, il était déjà purifié de la lèpre. Maintenant, Jésus a dit, à cause de la louange, parce qu'il glorifiait Dieu, va, ta foi t'a guéri. Toute autre chose qui doit être touchée et transformée, guérie, et totalement délivrée de ta vie, ta foi t'a rendu, t'a guéri. Septièmement, loue-le avant de voir l'arbre desséché. L'arbre desséché. Il y a des arbres inutiles. Inutiles. Il y a des arbres qui ruinent et détruisent nos vies. Jésus a dit que personne ne mange plus jamais de ton fruit. Alors, est-ce que quelque chose est passé? Est-ce que quelque chose est arrivé? Le deuxième jour, ils sont venus, ils ont vu l'arbre de la racine totalement desséché. Nous savons que tout ce qui est accompli, et tout ce qui est dans ta vie ce soir, et tout ce qui décrète dans ta vie ce soir, tout est fait. Amen. Amen, amen, c'est fait. Mais nous le louons. Avant de voir l'arbre desséché, Josaphat a nommé des chants. Ils ont loué la sainteté de Dieu et le nom du Seigneur. Et ils l'ont loué pour l'exaucement qu'ils n'avaient pas vu. Et comme ils sont venus aujourd'hui, et nous louons le Seigneur, premièrement, nous devons donner notre vie au Seigneur. Oh, le Dieu qui peut faire tout cela. Il sera mon sauveur, il sera mon berger, il sera ma sécurité, il sera ma forteresse, il sera ma guérison, il sera mon libérateur, il sera tout en tous pour moi. Alors je donne tout mon cœur au Seigneur. Alors nous venons dans la famille et nous adressons nos requêtes à Dieu, la guérison, pour la percée, pour la délivrance, pour tout ce que nous voulons. Et quand nous entendons le dernier amen, alors nous allons commencer à louer le Seigneur et de grandes choses vont se produire dans chaque vie au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. Nous allons invoquer le Seigneur maintenant. Tu veux donner ta vie au Seigneur en ce moment, ce grand Dieu puissant. Ce Dieu qui accomplit les impossibilités dans nos vies pour qu'il devienne ton Père, pour qu'il devienne ton Dieu, pour qu'il devienne ton Rédempteur. Et comme le sacrifice de Jésus-Christ a été fait et qu'il soit alors disponible pour toi. Si tu es là, lève la main, Dieu le fera. Peut-être que tu sois à la télévision ou bien à la radio ou bien en ligne, n'importe où tu te trouves. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voici ton moment de salut, ton moment de pardon, ton moment de libération pour venir dans la famille. Tu lèves cette main, debout, lève-toi là où tu es, à droite, à gauche, devant, derrière, n'importe où tu te trouves, à la télévision, à la radio, en ligne. Voici le moment pour ton salut et ton pardon et la libération pour toi. Merci, que Dieu te bénisse là-bas, que Dieu te bénisse là-bas, alors toujours debout. Et que cette main soit toujours levée. Comme je prie avec vous, détourne-toi de tes péchés, détourne-toi de ton mal, de tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Et dis, Seigneur, me voici, je me donne complètement à toi. Nous prions ensemble, Père, au nom puissant de Jésus, je te remercie pour ce que tu as déjà fait. Je te remercie pour tout cela qui lèvent la main et qui te donnent leur vie sans réserve et qui vont t'aimer maintenant de tout leur cœur, toute leur âme, toute leur pensée et ils croient en toi que ce que tu as dit pour quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, que tu vas l'accomplir pour chaque vie, pour tout le monde, chaque fille, chaque garçon, chaque fille, pour tous ceux là partout. Accorde-leur ton pardon.
et ton salut maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et tout le monde crie Amen. Nos conseillers vont s'occuper de vous, vous donneront des formulaires à remplir et donnez-leur l'information correcte. Et le Seigneur lui-même a écrit votre nom dans le livre de vie. Mais nous devons le faire pour que nous puissions vous aider, membres de la famille de Dieu. Et la joie du salut va continuer dans votre vie au nom de Jésus. Vous verrez dans chaque famille, les informations sont sur l'écran pour vous qui êtes en ligne. Et Dieu confirme le salut dans votre vie au nom de Jésus. Faisons-le rapidement et je reviendrai pour prier pour vous. Pour que vos défis et tous les problèmes que disparaissent au nom de Jésus. Félicitations à ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur. Toujours debout, si les surveillants ne vous ont pas encore touché, donnez-leur les formulaires à remplir et remplissez-les correctement parce que ça nous permettra de vous aider davantage. N'importe où vous êtes, dans les nations, dans les églises locales, sur un champ de croisade en plein air, toujours debout s'il vous plaît, si les surveillants ne vous ont pas encore remis les formulaires, les fiches de décision, et remplissez les fiches correctement, lisibles. Faites-le maintenant. Que les surveillants s'occupent de ceux qui ont levé les mains. Aidez-les, s'il vous plaît. Et ceux qui ne savent pas écrire, aidez-les à remplir ces formulaires. Vous qui êtes en ligne, si vous nous suivez en ligne et vous venez de donner votre vie au Seigneur après le message du pasteur ce soir, il y a un lien. Cliquez dessus. Il y a un formulaire qui va s'afficher. Vous qui nous suivez à la radio, à la télévision, il y a les numéros de téléphone qu'on va vous communiquer dans vos régions, dans vos localités. Vous qui êtes en ligne, il y a un numéro qui s'affiche. Sur ce numéro, vous pouvez nous contacter plus 234 91 54 44 92 63. Je reprends plus 234 91 54 44 92 63. Il y aura un banquet spécial en ligne. Pour ceux qui sont en ligne,
Et qu'un donne leur vie au Seigneur, c'est-à-dire le dimanche 4 juin 2023. Et plus de détails vous seront envoyés à vous qui êtes en ligne. Et notre Père dans le Seigneur sera content de vous avoir comme participant à ce banquet. Il y aura également un banquet spécial pour ceux qui donnent leur vie au Seigneur dans tous les lieux, localités, dans les groupes, dans les régions, dans les États, dans les nations. Le dimanche 4 juin également 2023. Si vous venez de recevoir vos miracles, partagez vos témoignages avec nous par le numéro de WhatsApp qui s'affiche en ligne ou bien dans vos différentes nations, ou bien vous pouvez enregistrer une vidéo de votre témoignage et partager avec nous sur WhatsApp ou bien Telegram ou bien sur nos médias sociaux. Notre Père dans le ciel revient bientôt pour prier pour toi. Le diable a des problèmes. Parce qu'il priera avec onction qui ne peut être défié. Sur la terre ou sous la terre, n'importe où il se trouve. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu va détruire toutes les œuvres du diable. Tu crois, crie amen. Un amen qui va semer la confusion dans le camp de l'ennemi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Il est temps maintenant de recevoir un miracle. Tu vas recevoir ton miracle. Tu auras ta guérison. Quel que soit ce que tu demandes au Seigneur, le Seigneur le fera. Et la louange de Dieu sera dans ta bouche. Levons-nous, levons-nous. Et présente ce problème à Dieu. Et selon sa parole déclarée, sa parole écrite, cela sera fait dans ta vie au nom de Jésus. Prions maintenant. Mets la main là où tu as le défi et lève l'autre main. Et la puissance du Seigneur va ôter tout ce qui ne doit pas être dans ta vie, dans ton corps, dans ta famille. Il va tout balayer. Père, au nom puissant de Jésus, je te remercie. Nous te remercions pour les exemples que tu nous as montrés dans les Écritures. Comme nous te demandons, tu exauces toujours et tu exauces immédiatement. Tu exauces rapidement. Tu exauces avec confiance. Et nous savons que comme nous décrétons, comme nous prions, que tu accorderas l'exaucement. Je prie pour tout le monde, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, quels que soient les problèmes financiers, quelle que soit la pression, les douleurs, quel que soit le problème, dans ta grande puissance, ôte tout au nom de Jésus. Je prie que ta guérison pour toute forme de maladie, quel que soit le nom, mais qui n'ont pas de nom, Seigneur, je prie, ôte toutes ces maladies, guéris ton peuple au nom de Jésus. Tous ceux qui sont à la radio, à la télévision, tous ceux qui sont à la télévision, tous ceux qui sont là-bas, n'importe où se trouve, n'importe quelle partie du monde, que ta puissance aille partout maintenant, touche-les, accomplis tes promesses au nom de Jésus. Tous ceux qui t'ont demandé, tous ceux qui ont désiré de toi, tous ceux qui t'ont demandé de toi dans leur cœur, et ils ont demandé, Seigneur, fais-le pour moi. Oh, dans ta fidélité, fais tout au nom de Jésus. Délivre les malades, délivre les opprimés, détruis les œufs du diable et accomplis ta volonté, ta parole dans chaque vie au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais que tu as exaucé
et que chacun voit la gloire de Dieu, que chacun loue le Seigneur pour l'exaucement rapide que tu as donné à chacun aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, mets un témoignage dans chaque bouche. Merci Seigneur parce que je sais que tu l'as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est fait, c'est fait. Rappelez-vous, pas de plainte, plus de murmures, rappelez-vous. Tu loues le Seigneur maintenant. Même avant de voir quoi que ce soit, le Seigneur l'a fait. À ce dernier amen, c'est fait. Et ce que tu n'arrivais pas à faire avant, tu n'arrivais pas à te courber avant, tu ne pouvais pas voir avant, tu n'arrivais pas à entendre avant, tu n'arrivais pas à marcher ou à courir, à faire quoi que ce soit, tu peux le faire maintenant parce que le Seigneur lui-même t'a déjà touché, t'a guéri, t'a délivré et il y a l'exaucement à ta prière. Gloire à Dieu! Amen! Nous allons maintenant écouter vos témoignages de ce que Dieu a fait pour vous. Gloire à Dieu! C'est fait! C'est fait! C'est fait! Dieu t'a touché maintenant. Examine-toi, examine-toi. La parole de puissance a été libérée. Et tu dois t'examiner et confirmer la guérison. Je peux te rassurer, le joug est brisé. Et la puissance de l'ennemi a été détruite de ta vie. Examine-toi, examine-toi. Pourquoi tu te prises? Écoutez les témoignages de ce que Dieu a fait. Ton miracle est là. Et tu auras l'opportunité de témoigner. Que nous puissions célébrer ta délivrance. Le miracle est là, la guérison a eu lieu. Examine-toi. Il n'échoue jamais. C'est un libérateur qui ne déçoit jamais. Il t'a libéré ce soir. Ne cache pas et viens témoigner à la gloire de Dieu. Célébrons. Selon ton miracle, célébrons la bonté de Dieu dans ta vie. Sors. N'importe où vous êtes, ne cachez pas vos miracles, vos témoignages. Nous allons célébrer le Seigneur, la bonté de Dieu dans ta vie.
start listening to the testimonies now. Gloire à Dieu. Ce soir, nous avons un certain nombre de témoins. Le témoignage suite au programme de JCK. Le premier, le couple devant moi. Frère et sœur Jim. Écoutons leur témoignage. Frère, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu l'a fait pour moi. Par la grâce de Dieu, on m'appelle Sœur Mercy Jim. Ikoyi, Lagos. Par la grâce de Dieu, mon témoignage est le suivant. On s'est marié en 2009, sans solution. J'ai parcouru plusieurs hôpitaux sans solution. Et on m'a conseillé un autre centre de faire des analyses. On l'a fait sans solution. On m'a dit de revenir. Après, j'ai dit à mon mari, est-ce qu'on peut là-bas? Il a dit d'aller, il a dit non. Je ne peux plus retourner là-bas. On a décidé de rester. C'était en 2017 que j'étais allé là-bas. Je suis resté là-bas. Je n'ai plus voulu aller ailleurs, mais par la grâce de Dieu. Au cours de la croisade d'Ikorodou, j'ai invité des gens pour la croisade. J'ai commencé à parler des gens. Dieu m'a touché avant la croisade. Le dimanche, on avait prié, on est allé nous coucher et dans le sommeil, j'ai fait un rêve. Je me suis vu à l'église et je priais et je pleurais. Une femme m'a touché pour dire, sœur, pourquoi tu pleures? Notre Père dans le Seigneur est là. Pourquoi est-ce que tu pleures? J'ai ouvert mes yeux ce jour-là. Je me suis vu. On était assis sur le même siège avec notre Père dans le Seigneur. Il a dit, ma fille, félicitations. Il m'a serré la main. Il a dit, efface tes larmes. Tu ne vas plus verser des larmes. Tout va bien avec toi. J'ai dit oui. Et j'ai cessé de pleurer dans le rêve. Je me suis réveillé soudainement. Quand je me suis réveillé, je me suis vu en train de pleurer. Pour réveiller mon mari, je ne l'ai pas réveillé. J'ai commencé à prier seul. J'ai prié et je me suis recouché. On s'est réveillé le dimanche matin. Je devais lui raconter le rêve. J'ai oublié de lui en parler. On a fait la dévotion ensemble. Nous sommes allés à l'église. Il est allé au bureau. Quand j'étais allé à l'église, on parlait de la croisade. Le GS est venu. Et quand j'ai rentré, j'ai commencé à prier. J'ai pleuré, commencé à pleurer. Il a dit, tout va bien avec vous. J'ai dit, amen. Quand j'ai entendu ça, je me suis rappelé du rêve immédiatement. J'ai dit, tout va bien pour moi, avec ma famille, et j'ai cru que je ne vais plus pleurer. Je suis revenu à la maison, mon mari a quitté le bureau, et je lui ai raconté. Ah, est-ce que tu sais le rêve que j'ai fait hier et demi? Je lui ai narré le rêve, il a dit, ah, prions. Nous avons prié ensemble. Après cette prière, ça c'était le début de la maladie. La maladie a commencé, je suis allé au bureau, je n'arrivais plus à travailler. Je ne pouvais plus rien faire. On m'a dit d'aller à l'hôpital.
Tu as dit que je n'irai pas à l'hôpital, je ne suis pas malade, c'est le palu et la fièvre. Ils ont dit non, d'aller, j'ai dit je n'irai pas. Ils ont dit d'accord, de rentrer. Je suis revenu à la maison, mon mari m'a vu, inconscient, dit qu'est-ce qui ne va pas. Il dit que je sens les maux de tête, la fièvre. Il est allé, il a appelé une infirmière, elle est venue, elle m'a « Sœur, quand est-ce que tu as vu ta période pour la dernière fois ?» Je n'aime pas qu'on me pose cette question-là, parce que j'ai beaucoup de pensées pour avoir un bébé depuis 14 ans. La femme m'a posé cette question. Je lui ai dit « telle date ?» Elle m'a dit « Est-ce que je peux... » prélever mon urine, je lui ai donné, elle est allée tester, elle est revenue, et m'a dit que je suis enceinte. J'ai dit quoi? Elle m'a dit, je suis enceinte. J'ai commencé à pleurer. Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu as oublié le rêve que tu as fait, que notre papa t'a visité. J'ai cessé de pleurer. J'ai effacé mes larmes, j'ai dit, tout va bien. Et après, je suis à l'hôpital, j'ai confirmé, et voici mon miracle. Excellence. Son nom est Excellence. Gloire à Dieu. 14 ans d'infertilité, parti. Gloire à Dieu. Et quiconque est dans le même problème, cherchant le fruit des entrailles, n'abandonne pas, crois, il y a un Dieu ici, crois, ne va nulle part, prie et Dieu va t'exaucer, gloire à Dieu, les larmes d'apitoiement de soi ont balayé, si toi tu versais des larmes par rapport à ta vie, ce soit par la prière de l'homme de Dieu, de telles larmes sont desséchées et tu as ton miracle au nom de Jésus. Témoin suivant. Sœur Pissodafé. Écoutons son histoire, très longue histoire, mais elle va écouter ça. Écoutons-la. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Je m'appelle Pisso Dafé. Par la grâce de Dieu, j'ai rejoint cette commission en 2021. Je marchais dans ma zone, j'ai rencontré certaines personnes qui faisaient la publicité. Ils m'ont donné un traité et m'ont invité à la croisade. J'ai pris le traité et j'y suis rentré. Le premier jour, je ne suis pas venu à la croisade, mais le lendemain, je me suis rappelé, j'ai décidé de venir à la croisade. Et voici, quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré le Seigneur. Quand notre Père dans le Seigneur a prêché, c'est comme s'il parlait de moi. Avant la croisade, depuis 34 ans, j'étais à donner la drogue, au tabac. Quand j'avais 5 ans, ma maman me donnait ça quand j'avais 5 ans. J'ai grandi pour être livré à la drogue. J'étais fatigué, maman m'a donné. Je pensais que je pouvais m'en passer de moi-même. Je n'ai pas pu. Chaque année, j'étais un toxicomane. Je faisais des résolutions de nouvelle année, chaque année, sans succès. Je n'arrivais pas à cesser ça de moi-même. Et ce qui m'a plus étonné, et un jour, j'ai jeté ça pour dire assez, c'est assez. J'ai jeté ça dans la poubelle. Mais à ma grande surprise, au milieu de la nuit, à 2h, je n'ai pas pu dormir. Va chercher ça. Et avant de comprendre ce qui se passait, je suis allé encore dans la poubelle pour aller ramasser ça.
Et j'ai encore prononcé à pleurer pour dire, mais c'est quel type de problème ça? Délivre-moi, oh Dieu. Mais gloire à Dieu qui l'a rendu possible pour moi de participer à cette croisade. Immédiatement que j'ai entendu ce message, j'ai commencé à pleurer. C'est comme si un joug a été brisé au-dedans de moi. Et quand je suis rentré, j'ai pris le tabac, j'ai dit quoi? Donc c'est ça que je prends, je consommais cette chose. Qui es-tu? J'ai dit d'accord, si tu as la puissance sur moi maintenant, viens maintenant, je vais voir. Emballe-toi et viens dans ma bouche, je vais voir. Et c'est resté par terre, elle a dit, tu as échoué. Jésus t'a vaincu. C'est comme ça, j'ai été délivré de la toxicomanie. Et 2022, plus de tabac jusqu'à ce jour. Je n'ai plus rien touché. Gloire à Dieu! Je veux vraiment saisir ce moyen pour prier pour tous ceux qui sont toxicomanes. Dieu qui l'a fait pour moi peut le faire pour vous. Et j'encourage papa dans le Seigneur à continuer, de ne pas arrêter. Parce que par la grâce de Dieu, je suis un produit de ce JCK. S'il n'y avait pas de JCK, je serais dans mes liens. Gloire à Dieu qui m'a délivré par JCK. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans 4 ans de toxicomanie, tabac, c'est la nicotine. Elle était complètement esclave de la nicotine, mais par la puissance et la prière de l'homme de Dieu, la puissance de l'addiction a été brisée et elle a été affranchie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est le libérateur infaillible. Quelle que soit l'addiction dans laquelle tu es, Dieu qui l'a fait pour elle, il le fera pour toi. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Par la grâce de Dieu, je suis sauvé. Je m'appelle Pasteur Moses, à Waloudi. Église Ebira. Au Chaudi. Par la grâce de Dieu, il y a un miracle que Dieu a fait dans ma vie. Avant que cela n'arrive, Dieu m'a confié son œuvre. Et j'allais hors de Lagos pour prêcher l'évangile aux gens de Ibira. Et Dieu nous aide par les campagnes pour avoir plusieurs églises par la grâce de Dieu. Le 20 octobre, il était venu interpréter ici. Et nous avons interprété le message, la nuit de puissance. Après la nuit de puissance, ce jour-là, j'étais rentré à Oshodi pour acheter les pièces électriques. J'ai entendu une voix. Quand j'ai dit, le Seigneur m'a dit, quand je fais pour lui, il fera pour moi. Quand j'étais à Oshodi ce jour-là, j'ai entendu une voix. Est-ce qu'il ne t'a pas dit, quand tu fais pour moi, je vais faire pour toi? J'étais touché. Et je n'étais plus en moi-même. J'ai dit que je suis au mauvais endroit. J'ai quitté là. Je n'ai pas acheté les pièces que je voulais acheter. J'ai quitté là, j'ai commencé à rentrer. J'ai commencé à voir des gens qui achètent des choses à Oshodi. J'ai dit, mais c'est pas des gens qui achètent ça. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive? J'ai entendu l'autre voix. Il dit que pour toi, c'est différent. La troisième voix, j'ai entendu, avant de rentrer, de lever les yeux en haut et non en bas. Et quand je rentrais, j'ai expliqué ça à ma femme m'a encouragé. Est-ce qu'il ne t'a pas dit ça? Quand Dieu m'a dit, quand je fais pour lui, il fera pour moi. J'ai dit, Dieu, j'ai tout abandonné. J'étais allé quelque part pour me reposer où je m'assieds. J'ai senti une fraîcheur sur mon dos. Et j'ai eu une paralysie partielle.
ma main droite, je ne pourrais plus soulever mon pied droit, je ne peux plus soulever ça. Je ne pourrais plus parler. Quand ma femme a vu, elle a dit d'attendre. Qu'elle va ramasser tout ce qu'elle a à la boutique et nous allons rentrer. Arrivé à la maison, je ne pouvais plus rien faire. Mon corps ne fonctionnait plus. Ma main droite, le pied droit, et je ne pouvais même plus parler. J'ai appelé mes dirigeants parce que ma maman pour lui en parler, parce qu'on a interprété ensemble le jeudi. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais même plus m'expliquer. C'est ma femme qui lui a expliqué. Quand j'ai appelé le secrétaire, je ne pouvais pas parler. Mais à la gloire de Dieu,